Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone. Aujourd'hui, je vous propose de faire un test du Mavic Air 2 en photogrammétrie. Et on va tester deux cas, le cas avec des photos 12 mégapixels et puis le cas avec des photos en 48 mégapixels. Le sujet que j'ai retenu pour faire ce test, c'est la tour de Clermont. C'est une tour médiévale qui est juste derrière moi. C'est l'idéal pour faire un test de reconstruction 3D à partir de photos. Et puis, ce qui va être intéressant de voir, c'est principalement qu'apporte le mode 48 mégapixels. En principe, la résolution du modèle devrait être doublée, hein, parce que un pixel en réalité devrait présenter deux fois moins de distance en mode 48 qu'en mode 12 mégapixels. Et surtout, pour ceux qui ont vu ma revue du Mavic Air 2, j'avais vivement critiqué le mode 48 mégapixels parce que s'il apporte effectivement une résolution double, on voit qu'en niveau de détail, on n'en a pas beaucoup plus et qu'on peut percevoir beaucoup de bruit dans le résultat. Donc pour faire cet essai, je n'ai pas de mission planner aujourd'hui. Hein, les Pix 4D Capture, Drone Deploy, Drone Harmony, etc. ne gèrent pas encore le Mavic Air 2. J'espère que ça viendra dans le futur. Donc il faudra faire la captation à la main. Sous-entendu, il faudra piloter le drone et le positionner de manière constante par rapport au sujet sur différentes hauteurs afin d'avoir tout un ensemble de photos homogènes par rapport au sujet. Donc ça va être un petit peu dur, mais ça se fait très bien. Si vous avez vu ma revue sur le Mavic Mini ou il y a plus longtemps sur le Mavic Air en modélisation 3D, on arrive très bien à faire ce genre de captation à la main. C'est juste un petit peu plus fastidieux. Donc allez, je vais décoller et puis c'est parti, on va faire les photos et après on ira traiter tout ça sur l'ordinateur avec un logiciel de reconstruction 3D et puis on pourra comparer la qualité de nos modèles. À tout de suite. C'est parti. Pour la captation, je simule 3 orbites à 3 hauteurs différentes avec environ 45 photos par niveau en veillant à conserver une distance à peu près constante au sujet. Dans cette situation, une partie de la tour est bien exposée tandis que 3 façades sont à l'ombre. Il faudra adapter progressivement l'exposition tout au long de la captation pour déboucher au mieux les ombres sans brûler les faces exposées. Pour cela, on fige les ISO à 100 et on règle la vitesse d'obturation en s'aidant de l'assistant de surexposition. On ajoutera une trentaine de photos prises du dessus pour capter l'intérieur de l'édifice tout en essayant d'exposer au mieux les ombres. Voilà, donc là on a terminé la captation manuelle en mode 12 mégapixels. Je change la batterie et je remets ça en mode 48. Le même procédé est maintenant appliqué pour la captation en 48 mégapixels. Apparaît une contrainte supplémentaire, le temps de traitement de chaque photo prend 3 secondes, pendant lesquelles le retour vidéo est gelé, ce qui empêche de commencer à positionner le drone pour la photo suivante en temps masqué. Si on peut faire une photo toutes les 3 secondes en mode 12 mégapixels en étant efficace, le temps passe à 7 ou 8 secondes en 48 mégapixels. Je dispose maintenant de 169 photos en 12 mégapixels et de 169 photos en 48 mégapixels. Je vais utiliser Reality Capture pour la reconstruction 3D en 12 mégapixels, puis en 48 mégapixels afin de comparer les deux résultats. Alignement et nuages de points denses sont générés en qualité élevée dans les deux cas. En 12 mégapixels, le traitement complet prend 40 minutes contre plus de 4 heures avec le jeu de photos de 48 mégapixels, soit 6 fois plus de temps. Le modèle compte 18,4 millions de triangles en 12 mégapixels contre 71,5 millions
avec les photos en 48 mégapixels. Les deux modèles semblent réussis, y compris pour l'intérieur et les concavités qui sont bien restituées. On ne voit pas de différence en les observant globalement, et nous allons zoomer pour observer les détails. Au-delà du nuage de points denses, il n'est pas possible d'afficher intégralement le modèle des photos 48 mégapixels car il sature la mémoire vidéo, mais je peux définir une région d'affichage avec la Clipping Box. Sur les zones très bien éclairées, des détails comme des petits cailloux sont exclusivement restitués sur le modèle 48 mégapixels. Je descends un peu sur une des façades bien exposées au soleil. Le modèle 48 mégapixels apparaît comme beaucoup plus granuleux, sans forcément faire beaucoup mieux apparaître les joints entre les pierres. Les plus grosses concavités sont bien restituées dans les deux cas. Enfin, je vais scruter une face à l'ombre, en particulier sur une zone où existe une ouverture bouchée par un mortier lissé. Si la surface est assez bien rendue sur le modèle des photos en 12 mégapixels, elle semble crépiter sur le modèle des photos en 48, qui nous restitue, au moins sur cette façade, du bruit et non des détails. Ce constat ne donne pas confiance sur la fidélité des détails du modèle généré à partir des photos en 48 mégapixels. En conclusion, même si les performances en photogrammétrie du Mavic Air 2 semblent très alléchantes sur le papier, avec les photos 48 mégapixels, je ne recommande pas ce mode. Même s'il ne permet pas au Mavic Air 2 de se différencier des autres drones, le mode 12 mégapixels en revanche produit un très bon résultat. En espérant que cette expérience vous aura été utile, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone.